Les fans de Kenji Girac rêvaient d'avoir de ses nouvelles. Une vidéo vient cependant d'être dévoilée sur Instagram sur laquelle le chanteur apparaît fatigué et amaigri. Un choc pour les internautes. Plus personne n'avait revu Kenji Girac depuis son terrible accident. En avril dernier, le chanteur de 27 ans s'était tiré une balle dans le thorax, alors que lui et ses proches étaient à Biscarrosse, sur une aire de passage de communauté de gens du voyage. Un acte qui aurait pu lui être fatal. Désormais en convalescence, le grand gagnant de la saison 3 de The Voice se repose et se remet de ce drame survenu après l'achat d'une arme à feu à un individu de passage sur son camp. Si le grand ami de Vianney avait initialement confié aux enquêteurs qu'il avait accidentellement tiré un coup de feu, il a finalement révélé avoir simulé un suicide pour effrayer sa compagne Soraya, qui menaçait de le quitter. Une révélation faite par le procureur de la République de Mont-de-Marsan, lors d'une conférence de presse, mais niée par la principale intéressée. Des premières nouvelles de Kenji Girac. Si Kenji Girac avait brisé le silence sur Instagram quelques semaines plus tard, pour notamment présenter ses excuses à son public, il a préféré rester dans l'ombre. Loin des lumières et de la scène, le jeune homme fait tout pour prochainement reprendre ses activités. Alors qu'il ne donne plus de nouvelles sur les réseaux sociaux, une vidéo de elle interprète de Color Gitano a cependant été dévoilée, une publication à découvrir ici. Une première réapparition au cours de laquelle il prend la pose aux côtés d'un petit garçon lui demandant une photo. Un moment visiblement immortalisé sur un lieu de vacances et publié sur Instagram il y a 2 jours. Présentée comme récente, la vidéo n'est cependant pas précisément datée. Kenji Girac y apparaît cependant changé, fatigué et amaigri, comme l'ont fait remarquer des internautes. Il paraît fatigué mais c'est normal, il faut qu'il prenne le temps qu'il faudra pour nous revenir, comme c'est agréable de retrouver notre Kenji, très fatigué, très affaibli quand même, il n'a pas l'air surtout en forme. Il a changé physiquement ou encore il a minci, j'espère qu'il va bien, peut-on lire en commentaire. Ils sont également nombreux à avoir remarqué qu'il mâchait un bâton de réglisse, certainement pour s'empêcher de fumer en raison de sa blessure au poumon. Des premières nouvelles attendues depuis longtemps par les fans.